intitulée « Coopération et développement en Afrique, et si on pensait autrement ?» Alors, nous avons fêté cet été les 60 ans d'indépendance des pays d'Afrique subsaharienne. Après ces décennies, 40% de la population a plus de 80 millions. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous pour ce débat intitulé « Coopération et développement en Afrique, et si on pensait autrement ?» Alors, nous avons fêté cet été les 60 ans des indépendances des pays d'Afrique subsaharienne, et depuis ces 6 décennies, 40% de la population, soit plus de 400 millions de personnes, vivent toujours sous le seuil de l'extrême pauvreté. Des progrès ont été faits, mais à un rythme bien plus lent que sur d'autres parties de la planète. Alors, avant de débattre ensemble de ce sujet, laissez-moi vous présenter en quelques mots nos trois intervenants qui répondront à mes questions, interagiront entre eux tout au long de cette rencontre virtuelle et répondront à vos questions à vous, public, qui êtes connectés sur les différents sites de nos organisateurs de cette journée spéciale. Fatima Chaïd, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en droit, vous vivez entre le Maroc et la France. Vous avez mené un travail de fond sur les sociétés civiles du Maghreb, un autre sur la gouvernance des collectivités locales marocaines. Avant ces travaux, vous avez passé 14 années dans le cabinet ministériel au Maroc, y occupant différents postes. Et à titre personnel cette fois, on vous retrouve présente dans le paysage associatif marocain depuis des années. C'est une autre facette de vos actions qui a nourri votre regard et nous en parlerons tout à l'heure. Fatoumata Souratier, bonjour Fatoumata. Bonjour. Alors vous êtes en direct de Ouagadougou, vous êtes biochimiste de formation, vous enseignez cette discipline en lycée au Burkina Faso, vous êtes aujourd'hui secrétaire permanente du Ballet Citoyen et membre de sa coordination nationale chargée de la mobilisation des ressources. Pour nos interlocuteurs qui ne connaissent pas le Ballet Citoyen, vous nous en parlerez longuement, mais sachez que c'est une association que vous avez donc cofondée et qui compte beaucoup dans le paysage burkinabé aujourd'hui. Et on reparlera de tout ça tout à l'heure. Notre troisième invité, Dominique Darbon. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste des systèmes politiques avec plusieurs cordes à votre arc, les politiques publiques, les classes moyennes, la ville. Ce sont quelques-uns de vos sujets d'intérêt. À vous qui observez l'Afrique sous toutes ses coutures depuis plusieurs décennies maintenant. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IOP de Bordeaux, directeur du LAM, le laboratoire des Afriques dans le monde, qui scrute les transformations de la société africaine. À vous trois, bienvenue sur ce plateau virtuel. Alors, l'Afrique subsaharienne, que je le disais tout à l'heure, concentre à peu près aujourd'hui un quart
pardon, concentrait dans les années 90 un quart de l'extrême pauvreté de la planète. En 2015, on est monté à la moitié. Si rien ne change sur la trajectoire actuelle, demain, sur 10 pauvres de la planète, 9 vivront en Afrique. Et ça, à peu près, donc dans 10 ans. Et pourtant, il y a une aide au développement qui est sur la planète globalement 250 milliards d'euros annuels. L'aide au développement, si on ne veut parler que de la France, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an. Et même si tout ne va pas à l'Afrique, quand on parle de l'aide française, il y en a à peu près la moitié qui y va pour cette aide publique. Alors, on est en droit de s'interroger sur cette efficience. On va commencer par là, avant de se demander quel est le rôle et que pourrait vouloir dire et que veulent dire aujourd'hui les sociétés civiles sur ce sujet. Alors, Dominique Darbon, c'est à vous que je m'adressais d'abord. Vous qui avez le regard braqué sur l'Afrique, estimez-vous que les sociétés civiles sont suffisamment mûres dans l'Afrique francophone pour faire entendre leur voix en matière de développement? Donnez-nous votre avis. Là, merci beaucoup pour cette question. Oui, très compliquée. Tout d'abord parce que la notion de société civile est un véritable problème, pose un véritable problème. On met à l'intérieur à peu près tout, on met des partis politiques, des syndicats, des associations, des regroupements identitaires, enfin, religieux, etc. Donc en fait, on ne sait pas véritablement de quoi on parle lorsqu'on parle de société civile. On va parler en fait d'un ensemble de mouvements qui essaient de participer à la vie politique, qui essaient d'éduquer éventuellement des citoyens, de les amener à devenir des forces de contestation, de proposition dans les sociétés. En même temps, si on fait le bilan de ce qui s'est passé en Afrique, en Afrique au sens continental du terme, on a vu des mouvements se lever, on a vu des manifestations se constituer, on a vu différents groupements parvenir à renverser des régimes, mais on a rarement vu ces groupements être en situation de pouvoir proposer une alternative à ces régimes politiques. Parfois, il y a eu des alliances avec une opposition qui a permis de durer quelque temps, mais dans la plupart des cas, on a des mouvements qui sont ponctuellement efficaces, mais qui ne parviennent pas à structurer la vie politique sous une forme alternative. Et je crois que c'est le principal problème aujourd'hui. Et ça aussi bien dans le monde de l'Afrique du Nord hein, que de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que, pour rester bien sur cette question, dites-moi, Fatima Chaïd, est-ce que vous avez ce même regard, vous, sur les sociétés civiles maghrébines? Est-ce que vous diriez la même chose, un petit peu pour les définir et marquer leur positionnement actuel? Merci pour cette question. Je partage parfaitement le point de vue de M. Dominique Kudbo. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en parlant de la société civile, on peut y mettre tout. On y met tout d'ailleurs actuellement. Nous avons mené une étude et on l'a appelée société civile, enfin la face cachée des sociétés civiles, mais on a pris un parti à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a essayé de se concentrer essentiellement sur les associations, sur les mouvements formels ou informels qui se sont constitués, sur les différents collectifs d'habitat. Et ça nous a permis d'aller un peu, enfin délimiter, cette difficulté de parler de société civile, tout en y mettant. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu des soulèvements, il y a eu tout ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, d'abord c'est salutaire parce que ça permet de changer un certain nombre de choses dans ces pays, de mettre un terme à certains pouvoirs qui étaient en place. Mais en même temps, il n'y a pas, c'est-à-dire si on veut parler, parce que souvent les gens parlent, je vois un peu, souvent parlent les gens de révolution. Pour avoir une révolution, ça veut dire qu'il y a derrière un projet alternatif qui est déjà préparé, qu'il y a un groupe qui va aller de l'avant, qu'il y a une alternative. C'est-à-dire qu'on fait une révolution, mais en même temps, nous avons à côté des alternatives. Et ça, je suis tout à fait d'accord par rapport à cette analyse.
Parce que, effectivement, l'une des questions qui se posent aujourd'hui après ces différents soulèvements, c'est les alternatives à mettre en place et toutes les difficultés qu'on connaît dans ces pays aujourd'hui, qui sont toujours en période de transition entre ce qui s'est passé en 2011 et ce qui est en train de se passer avec toutes les difficultés qu'on connaît jusqu'à présent. Merci, merci de cet éclairage. Donc, vous rejoignez Dominique Darbon un petit peu sur ces définitions. Est-ce que Fatoumata Souratier, est-ce que vu du Burkina Faso, vous diriez la même chose, vous, sur cette définition des sociétés civiles, de la société civile burkinabé, puisque c'est celle que vous, vous connaissez bien. Dites-nous. Moi, je ne partage pas effectivement l'avis de mes prédécesseurs. Je pense qu'au niveau, en tout cas, de la sphère politique nationale, quand on parle de la société civile, c'est contre-pouvoir là qui, en tout cas, qui interpelle, qui dénonce, qui le pouvoir public. Donc, pour moi, la société civile burkinabé est très différente de la société, je vais dire quoi, politique. Parce que les politiques, les sociétés civiles au niveau du Burkina Faso sont là pour le suivi des politiques publiques. Et qui parle de suivi des politiques publiques, ce n'est pas le gouvernement, en fait, les gouvernements qui sont en place, qui vont faire ce suivi-là pour interpeller, pour ramener à l'ordre. Mais je suis d'accord quand on dit que la société civile n'est pas suffisamment forte pour arriver à bout des idées. On fait une insurrection populaire, quand je prends le cas du Burkina Faso, et après, c'est le même système qu'on a balayé, qui revient au pouvoir. Donc, du coup, ça pose un problème d'organisation véritable pour permettre d'être vraiment une force qui propose un développement vraiment durable pour, après une insurrection populaire. D'accord. Donc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais est-ce que vous pouvez revenir là-dessus sur le rôle et quel rôle joue aujourd'hui la société civile burkinabé au Burkina? Est-ce qu'on peut redéfinir ça puisque... La société civile au niveau du Burkina, comme je le disais tout à l'heure, est un contre-pouvoir. Nous jouons notre rôle de gendarme, en fait, de pouvoirs qui sont en place. Et nous interpellons, nous proposons des choses, nous sensibilisons les populations pour qu'ils puissent prendre conscience de pouvoir s'engager de façon consciente et d'interpeller dans, en fait, que ce soit sur le plan local ou sur le plan national, d'interpeller les pouvoirs publics afin que le mode de gouvernement, le mode de gestion du pouvoir puisse changer, qu'il n'y ait plus de mal gouvernance, qu'il n'y ait plus de gabégie, de clientélisme, qu'il n'y ait plus de corruption, etc. etc. D'accord. Donc, changer le mode de gouvernance. On revient vers vous, Dominique Darbon. Est-ce qu'on peut dire que cet argent, tout cet argent qui arrive pour le développement, qui est... moins important. Alors, on dit beaucoup ces sommes massives, mais en fait, oui, elles sont moins importantes que ce que la diaspora peut faire revenir dans un pays d'origine et fait globalement revenir vers l'Afrique. Alors, cet argent, comment est-ce qu'il est perçu par les sociétés civiles? Est-ce qu'il est perçu comme un don? Est-ce qu'il est perçu comme un dû? Est-ce qu'il est perçu comme une réparation? Comment est-ce que vous sentez ce regard sur cette aide au développement? Alors, je vais être relativement direct pour répondre à cette question et peut-être un peu trop provocateur. Je pense que la société civile ne voit pas cet argent. En réalité, ce qu'on appelle société civile, c'est un ensemble de groupes, notamment d'élites, qui vont... il y a un grand nombre d'études qui ont été faites, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Inde, enfin à peu près partout, hein, qui fait que les bénéficiaires de l'aide internationale, c'est essentiellement sont des groupes ou des individus qui ont les capacités de s'organiser pour recevoir cette aide. C'est-à-dire, par définition, ceux qui ne sont pas les bénéficiaires ciblés par l'aide. L'aide, elle va cibler les plus pauvres, ceux dont vous parliez au début de votre introduction. Elle va cibler les groupes sociaux les plus marginalisés, qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des sans-emploi, des populations rurales marginalisées, etc. Or, ceux-là sont souvent cumulés, les désavantages et les marginalités.
ils sont analphabétisés, ils n'ont pas de capacité à comprendre les réseaux financiers, ils n'ont pas les bonnes connexions. Résultat, il faut que l'argent passe par des intermédiaires. Et cet argent est capté par des structures qu'on appelle des structures de la société civile. Je ne dis pas que ces structures sont corrompues, je ne dis pas qu'elles détournent totalement cet argent, mais évidemment, cet argent sert déjà à financer cette première catégorie sociale qui en capte une bonne partie et après redistribue plus ou moins le reste à la population. Donc cette idée de société civile, vous voyez, ça pose un vrai problème. Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas convergents entre des jeunes étudiants formés qui cherchent à se positionner et qui vont trouver dans cette gestion de l'aide à un village un emploi, une capacité de développement personnel. Alors on a des entrepreneurs politiques qui vont se constituer. Et à côté de ça, on aura des gens de notre type. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et je pense que vous avez eu tout à fait raison de le rappeler, quand on parle de l'aide internationale, on parle de flux financiers qui sont très différents les uns des autres. L'aide aujourd'hui, ça ne représente plus en gros l'aide publique. Hein. En gros, j'ai regardé des chiffres là, pour les derniers chiffres, ça représente entre 20-25% de la totalité des flux qui reviennent vers l'Afrique, qu'il s'agisse des retours d'argent des travailleurs immigrés, des diasporas vers les villages, c'est deux fois plus que l'aide à peu près, qu'il s'agisse des flux d'investissement privé, c'est considérable, ou de la philanthropie. Et ces différents types d'aides, en fait, ciblent aujourd'hui différents types de groupes de la société civile. Et donc, est-ce que ça bénéficie? Oui, bien sûr, ça bénéficie, mais de manière résiduelle et en étant filtré par différents groupes structurant la société dans son ensemble, avec de fortes inégalités entre elles. Alors, est-ce que vous voyez les choses de la même manière, Fatima Chaïd? Est-ce qu'on peut dire la même chose sur le Maghreb, ou est-ce que vous parlez de zones, vous parliez plus, Dominique Darbon, des zones subsahariennes, j'imagine? Non? Je vais nuancer un peu le propos, parce que d'abord, d'une manière globale, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont là, qui sont connues, qui ont été évaluées, il y a des rapports. L'aide, malgré le fait qu'on dit qu'elle devrait aller aux pays les plus fragiles, il y a un certain nombre de critères qui sont géopolitiques, qui sont géosécuritaires et qui parfois priment sur les critères et les choix, même si les gouvernements annoncent un certain nombre de choix. Eh ben, dans ces choix, que ce soit géographique, que ce soit au niveau des choix des pays, il y a des choses à revoir, à mon sens. L'aide en elle-même, par exemple, si je prends le cas de la France, elle a baissé de 2012 à 2016, passé de 45 à 38%. En 2017, on a promis de la faire revenir en 2022 à 0,55% du revenu national brut. Mais on est loin de cette réalité. Après, par rapport aux sociétés civiles et par rapport à la coopération internationale, est-ce qu'elle a apporté par rapport au captage, comme ça a été indiqué? Ce qui nous est apparu de cette étude qu'on a menée pendant 2 ans dans les 3 pays, Maroc, Algérie, Tunisie, c'est que c'est incontestable, il est incontestable aujourd'hui de constater, c'est une réalité, que c'est grâce à cette aide, grâce à la coopération, que les sociétés civiles de ces pays, à des degrés différents, bien sûr, sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, n'oublions pas que ces sociétés civiles dans ces pays, si je prends le cas du Maroc, ils ont fait énormément ils ont influencé d'une manière incontestable encore les politiques publiques, les réformes. Si on prend le Maroc de 98, c'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien, on créait une association en 98 et on avait dit lutter contre la pauvreté. Et ben, les autorités nous ont appelés pour nous dire attendez, de quelle pauvreté vous parlez? Vous aurez une mission humanitaire, sinon l'association n'est pas. Alors qu'aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté, elle fait partie des politiques de l'État. Donc, sur la question, donc, d'abord de faire avancer et la fois le débat, l'expression démocratique, les libertés, mais aussi sur les questions des inégalités hommes-femmes, sur les questions des jeunes, sur les questions de la gouvernance. Et les exemples sont nombreux. Et justement, cette étude qu'on a faite, on a voulu justement sortir de ces stéréotypes, c'est-à-dire que la société civile, c'est un certain nombre d'acteurs qui sont
influents, qui ont de la visibilité, qui ont des moyens et qui captent. Nous, on a voulu aller voir un peu plus celles et ceux qui, tous les matins, montent au front face à face avec la précarité, face à face avec la souffrance, avec des moyens parfois qui ne sont pas, je le reconnais, des moyens avec des projets parfois bricolés, mais qui arrivent à mettre en place des initiatives qui ont du sens, qui arrivent à mettre en place des initiatives qui sont innovantes par rapport à leur contexte. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire oui, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont, c'est vrai, en lumière, qu'on voit, mais qu'il y en a ceux qui travaillent au quotidien, qui apportent des solutions, qui allègent, qui aplanissent les difficultés, qui apportent un sourire. Et c'est des missions qui sont éprouvantes. Et c'est ça, ce sont les bénévoles des associations, des collectifs, des organisations, des quartiers. C'est une multitude d'organisations qui sont aujourd'hui là et qui veillent, y compris sur ce que font les États. Si on prend l'exemple, rien que ce qui s'est passé pendant une période du Covid, par exemple au Maroc, ça a été une veille, mais du premier plan sur plein de choses. Donc, c'est-à-dire, on a le droit de dire la société civile n'est pas homogène, n'est pas toute, mais il faut nuancer parce qu'il y a des gens qui se battent tous les jours. Et ceux-là, on ne les voit pas beaucoup. J'entends ce que vous dites, Fatima Chaïd, mais est-ce que vous sous-entendez que ces gens qui sont au front, qui sont des petites structures, c'est en fait eux qu'il faudrait aider plutôt que construire un pont, faire la jolie chose qui se voit sur laquelle on va noter Communauté européenne ou on va noter Chine, vous voyez ce que je veux dire, avec toute cette diplomatie culturelle qu'autorise l'aide au développement. Donc ce que vous nous dites en creux, c'est qu'il faudrait financer beaucoup plus auprès du terrain les gens qui travaillent, qui œuvrent chaque jour pour ça, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a la société civile qui joue aujourd'hui un rôle qui est incontournable dans le processus que ce soit de développement, que ce soit démocratisation, que ce soit des libertés, que ce soit d'égalité. Elle joue un rôle dans ces pays. Donc, il faut continuer à le soutenir. Et je prends le cas de la Tunisie, par exemple, où, vu les années qu'il y a eu de régime autoritaire, c'est une société civile aujourd'hui qui est en plein boom, mais qui a besoin de soutien. Bon, c'est vrai qu'après 2011, il y a eu une concentration de l'aide internationale. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un essoufflement. Alors que cette société civile, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être renforcée, elle a besoin d'être professionnalisée. Et ça, c'est-à-dire, c'est pas. Mais c'est vrai que si on prend l'aide au développement, et les chiffres, je crois, ils sont là, on trouve qu'une infime minorité va en don à la société civile. Le reste, c'est des intérêts, comme on a dit tout à l'heure, c'est des intérêts qui sont liés à d'autres préoccupations des pays. Voilà. Et qui sont intermédiaires. Alors, c'est très intéressant ce qu'on se dit là. Fatoumata Souratier, vous qui faites partie du Ballet Citoyen et qui êtes aussi responsable donc, de la collecte des finances pour le Ballet Citoyen, comment ça se passe? Vous êtes vraiment le mouvement qui a de l'importance au Burkina, qui fait bouger beaucoup de choses, qui agite beaucoup et fait réfléchir. Comment vous y prenez, vous, pour récupérer des moyens? Est-ce que l'aide au développement, c'est aussi l'aide au développement que vous proposez, vous? Comment ça se passe? Moi, je vais rejoindre un peu Fatima quant à déjà la redéfinition de l'aide au développement. Aujourd'hui, l'aide au développement est mal orientée. Et les aides viennent au niveau des pays africains, et c'est orienté vers des choses qui ne sont pas importantes pour les populations. Par exemple, je prends un exemple d'un village qui a peut-être besoin d'un centre sanitaire. Et il y a une aide qui vient dans ce village, on part construire une école, ça pose un véritable problème. Donc déjà, l'aide est mal orientée. En plus de cela, pour moi, l'aide au développement doit être une aide, comme le disait Sankara, qui nous aide à nous dépasser de l'aide. On ne doit pas être là à... Et Fatima parlait tout à l'heure du BES qui a baissé de 2010 à 2015, le taux d'aide qui a baissé. Moi, l'aide doit être capable d'amener les pays africains à se passer de l'aide. Ça veut dire à pouvoir être vraiment autonome pour pouvoir travailler dans l'intérêt des populations. Donc,
au niveau de la société civile burkinabé. C'est vrai, nous travaillons en partenariat avec plusieurs ONG, mais c'est axé sur la sensibilisation, sur l'éveil des consciences. Donc l'aide au développement, ça passe plutôt par les pouvoirs publics, en fait, par les gouvernants. Et du coup, c'est orienté vers les intérêts de ces gouvernants et non les intérêts des populations. Alors, une aide qui aide à se passer de l'aide. On en est bien loin, non? Dominique Darbon, ça vous inspire quoi, vous, en termes historiques? On est plutôt sur une aide qui renforce le besoin en aide, non? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce que j'exagère et je caricature? Non, ce n'est pas une caricature, mais c'est, en même temps, c'est quelque chose qui suppose des évolutions différentes dans le temps. Donc on a vu que l'aide avait diminué par rapport aux autres flux financiers qui arrivent, et en réalité, si l'Afrique a connu pendant les 25 dernières années des taux de croissance positifs sans arrêt, et globalement, ce n'est pas forcément à cause de l'aide. Et même tous les travaux qui sont faits montrent que ce n'est pas l'aide qui a permis la croissance en Afrique. La croissance en Afrique, elle est liée au développement des échanges internationaux, du commerce, de l'insertion croissante du continent dans les échanges et l'évolution de la demande en Afrique. Et donc, ce n'est pas l'aide, en d'autres termes, ne rend dépendant que ceux qui en ont besoin pour survivre, c'est-à-dire en fait ceux qui la captent. Et là, vous voyez, on est encore à nouveau dans ce problème de définition de la société civile. Je ne dis surtout pas que qu'il n'y a pas un grand nombre d'organisations sociales dans les pays africains qui jouent un rôle fondamental d'éducation, de mobilisation, de contre-pouvoir par rapport au pouvoir. Bien sûr, heureusement, mais ce ne sont pas forcément eux qui sont les premiers bénéficiaires de l'aide. S'il y a tant eu, à un moment donné, la grande mode, c'était pour les premières dames de monter leurs associations un peu partout en Afrique, leurs ONG. Pourquoi? Parce que c'était un beau système de captation de l'aide obligatoire. Chaque ambassade était obligée de venir verser de l'aide dans la sébille de la première dame. Et cette aide était totalement prédéterminée dans son orientation vers les mouvements qui soutenaient le régime, vers les mouvements qui soutenaient le groupe éventuellement au pouvoir là-bas, etc. Donc c'est pas où les mouvements qui étaient de la bonne religion ou de la bonne ethnie, etc. etc. C'est-à-dire c'est une tutelle plus qu'une aide. Comment, pardon? Tutelle qu'on impose via l'aide. Alors c'est même une double tutelle, c'est-à-dire que vous avez l'aide internationale qui permet à la fois de financer le pouvoir et donc de contrôler le pouvoir sur place, et en même temps au bailleur d'avoir accès directement aux décisions. Et on a une aide au développement qui est devenue une forme d'outil de clientélisme. Voilà, outil de clientélisme. Mais à nouveau, vous voyez, cette notion de société civile, c'est très compliqué, puisque je suis d'accord avec ce qu'ont dit Fatima et Fatoumata. Ces mouvements à la base sont fondamentaux, mouvements à la base, bien sûr. Mais il y a une autre, d'autres couches. Et en réalité, ce qu'on va voir quand on dit société civile, on a un ensemble de groupes qui n'ont pas les mêmes intérêts, parfois qui ont des intérêts radicalement contradictoires. On en a vu ça à la place Tahrir ou des choses comme ça, hein, notamment. Alors, vous introduisez de la nuance dans notre sujet, parce que ça veut dire que dans ces cas-là, c'est très compliqué pour les sociétés civiles, toujours entre guillemets, d'avoir leur mot à dire, puisque en fait, leur mot, ben, ce n'est pas le même pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a un contre-modèle de l'aide au développement? On voit bien donc qu'il ne sert pas le développement, mais qu'il sert autant le maintien en tutelle et l'œil, et permet d'avoir l'œil sur les pays. Donc, on est dans de la diplomatie, voire parfois un peu d'ingérence. Donc, est-ce qu'il y a un contre-modèle à tout ça? Qui de vous trois veut commencer sur le sujet? Ah, la question est difficile. Ah oui. Alors, tiens, vous, Dominique Darbon, est-ce qu'il peut y avoir l'émergence d'un contre-modèle en termes d'utilisation de cette aide au développement? Si oui, voilà, qu'est-ce que vous observez qui avez l'œil depuis longtemps sur ces sociétés africaines? Un contre-modèle, moi je n'en connais pas.
Je connais un ensemble d'initiatives qui sont prises. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire passer cette aide internationale par des intermédiaires. Quand on parle, par exemple, au niveau européen de la coopération décentralisée, on parle d'un ensemble de formes d'aide qui sont autres que les formes étatiques et qui vont permettre, par exemple, à des groupes, des associations ou des mouvements de défense des intérêts de minorités, de femmes, pour la promotion de la scolarisation, etc., d'être en connexion directe avec leurs partenaires au Sud. Donc, dans ce cas-là, on a des systèmes de canalisation de l'aide directement de partenaire à partenaire en évitant l'État. Mais évidemment, les États du Sud ont tous les droits de faire remarquer que c'est un moyen de contourner leur souveraineté et donc de refuser qu'il y ait un versement direct de cet argent entre partenaires. Donc, alors, est-ce qu'il faut lire un moyen de contourner leur souveraineté, ou alors est-ce qu'il faut lire simplement l'idée qu'on n'est pas dans du État à État et justement dans un maintien d'un regard du Nord sur un État du Sud? Alors, ça pourrait être ça, mais moi, ce que je constate, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas de modèle, ce que je constate dans un grand nombre de pays du Nord qui travaillent en partenariat avec les pays du Sud dorénavant, c'est qu'il y a une tentative de multiplier les intermédiaires qui vont permettre de contourner cette dépendance entre les États, ce lien entre les États. Et donc, on va avoir ces nouvelles formes de coopération par le biais des ONG, par le biais des jumelages, par le biais des diasporas, etc. Et on fait des connexions directes qui évitent à la fois ce soupçon, qui est souvent une réalité, de tutelle, et puis tous ces risques de détournement et de contrôle. Bien. Fatimata Souratier, est-ce qu'on peut dire quelque chose au niveau du Burkina et du Ballet Citoyen? Est-ce que vous avez réfléchi à un modèle qui serait alternatif en termes d'utilisation de cette aide? Et comment vous voyez ce sujet le plus théorisé aujourd'hui? Est-ce que c'est un des débats qu'on a au sein de l'association? Ce que je voulais revenir sur, c'est que il disait tout à l'heure par rapport à un système de jumelage entre le pays qui aide et le pays qui reçoit, ou bien le village qui aide et le village qui reçoit. Et ces jumelages, en fait, passent la plupart du temps par les collectivités, en fait. Donc, du coup, c'est le même contrôle. Parce que l'aide au développement aujourd'hui est utilisée pour, comme vous le disiez tout à l'heure, pour le clientélisme, pour pas de campagne. On envoie de l'aide pour la construction, je sais pas, d'un hôpital dans une localité donnée. On construit l'hôpital et puis on prend du temps. Quand les élections s'approchent, on part faire l'inauguration de l'hôpital et puis paf, c'est la campagne en fait déguisée qui commence. Donc moi, les systèmes de jumelage, je sais pas s'il y a une autre forme de faire un système de jumelage sans passer par les collectivités. Ça serait bien, mais j'en ai vu dans un village où, en fait, c'est capitalisé dans les acquis, en fait, du maire de la localité. Donc, du coup, ça renvoie toujours à cette question de détournement de l'aide, en fait. Je comprends. Mais est-ce que, par exemple, les ONG, c'est le modèle qui est le plus méritant à vos yeux et le plus neutre et celui qui est le moins un filtre entre le donneur et l'argent tel qu'il arrive? Est-ce qu'on peut dire ça? Ce qui est intéressant avec peut-être les ONG travaillent plus avec la société civile. Et la société civile, en fait, dans le financement des ONG, c'est surtout axé sur le suivi des politiques publiques et non sur, en fait, le développement, l'aide pour construire un hôpital, pour construire une école, etc., etc. C'est plus axé sur l'éveil des consciences, sur la sensibilisation. En tout cas, ce qui concerne le Ballet Citoyen, c'est plus axé sur le suivi des politiques publiques. Donc, du coup, ce n'est pas une aide qui est accessible à la société civile, qui va peut-être prendre l'initiative de mener une action concrète, en fait, de construire quelque chose de concret pour les populations locales données, en fait. Donc vous avez des réserves sur le travail des ONG, Fatoumata, c'est bien ce que non, je fais la nuance, en fait. D'accord. Je fais la nuance, je dis que les ONG ne sont pas orientées dans
C'est l'aide au développement, je suis d'accord, mais c'est plutôt axé sur la sensibilisation, sur le suivi des politiques publiques, sur la formation des populations et non sur les besoins réels de la population en fait. D'accord. Donc c'est toujours ce qui manque, c'est toujours ce grand écart entre la population et puis adaptation aux politiques décidées. Hein. C'est ça le tout problème. À fait. Vous diriez la même chose, Fatima Chaïd? Ce que j'ajouterais peut-être, c'est déjà commencer par mettre de l'efficience dans ce qui existe. Je peux donner des exemples concrets. Lorsque, par exemple, il y a un projet qui est financé dans un pays donné, maghrébin ou africain, enfin dans l'Afrique au nord ou au sud, déjà certaines règles font que une majorité de ces fonds reviennent au pays parce qu'on emmène ses experts, on emmène ses sociétés, donc au final, déjà si on commence à mettre un peu d'efficience dans cela, je crois que ça permettra d'améliorer les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a plusieurs débats sur ces questions. Et je crois que aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est co-construire un modèle à la fois d'aide, mais aussi aider dans ces pays à ce qu'il y ait déjà une réorganisation des ressources internes et faire en sorte qu'il y ait de la souveraineté de ces pays sur leurs propres ressources. Parce que dans l'aide au développement, il y a aussi des conditionnalités qui font que voilà, ça va être conditionné par l'exploitation de telles choses, ça va être par la mise en place de tel programme, par l'exploitation de telles ressources. Déjà, en cela, je crois qu'il faudrait mettre de l'éthique dans toutes les règles de l'aide et le mettre en place d'une manière transparente, dans un partenariat d'égal à égal, dans un dialogue franc, parce que je crois qu'aujourd'hui, les problèmes, que ce soit au nord, que ce soit au sud, c'est des problèmes qu'on partage et qu'au final, on se trouve, on est touché, soit ici au Maghreb, soit en Europe. Les problèmes de pauvreté et d'exclusion, ce sont des problèmes qui nous reviennent un petit peu, généralement, d'un autre côté. Donc, je crois qu'il y a intérêt aujourd'hui à repenser la logique, à repenser les visions, à repenser la manière de mettre en place cette aide. Parce qu'il y a beaucoup d'engagements qui sont pris. Mais il y a, dans ces engagements, entre l'engagement et ce qui est respecté, il y a tout un monde. Et ça, c'est ça aussi, c'est, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faudrait revenir. Alors, si je rebondis sur un de vos termes, co-construire cette aide au développement, prenons l'exemple, par exemple, du Sahel, qui est quand même une des zones aujourd'hui importantes en termes d'aide au développement pour la France. Est-ce qu'on peut co-construire quelque chose? Qui de vous trois veut, lorsque vous voyez les États sont déjà en grande difficulté, comment on s'y prend? Est-ce que c'est possible? Peut-être, Fatoumata, vous êtes là, votre regard serait le bienvenu sur le sujet. Ça vous semblerait possible? Dites-moi. Fatoumata, vous avez disparu. Donc, est-ce que peut-être Dominique, vous voulez répondre sur le sujet, Dominique Darbon? Oui, on peut essayer d'y répondre. En fait, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est l'existence justement de ces partenariats, mais qui peuvent prendre des formes qui sont relativement peu monétaires, finalement. Et qui prennent la forme de soutien pour les plaidoyers, soutien pour la formation, soutien en matériel pédagogique, donc ça peut concerner des organisations qui vont intervenir sur les droits de l'homme, sur la protection des enfants, sur la scolarisation, sur l'habitat, sur l'eau, etc. Et donc on a des partenariats partout qui existent aujourd'hui. Mais le problème, c'est ils sont ponctuels. Ils sont de petite échelle. Et donc, comme on l'a vu dans notre cas, la question, c'est de savoir comment on peut monter en généralité pour à la fois renforcer la formation
des partenaires locaux sur ces partenariats particuliers et en faire devenir de véritables contre-pouvoirs. Alors, il y a des exemples hein, d'ONG très célèbres en Afrique, notamment une, moi je connaissais une qui au Sénégal, ENDA, qui avait développé ce modèle de partenariat sur la longue durée, etc. Ça existe déjà, mais vous voyez, c'est une nouvelle fois, c'est des types d'aides un peu particulières, travaillant sur le plaidoyer, et ça marche plutôt bien, on doit dire, aussi bien Fatima que Fatoumata en seront beaucoup plus que moi. Ouais. Alors justement, Fatoumata, vous voulez... Moi, je voulais plutôt revenir sur ce que Fatima disait tout à l'heure par rapport aux contreparties exigées quand on aide les pays africains. Les contreparties, en fait, n'est pas connue des populations. Et du coup, on signe des conventions qui maintiennent les populations dans le besoin permanent. Je prends l'exemple de la construction d'un hôpital qu'on devrait faire au niveau du Burkina, dans la ville de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina. On avait décidé, en fait, selon le pouvoir exécutif, disait que l'hôpital devrait se construire dans un espace de forêt classée. Et tout de suite, la société civile avec la population a dit non, on ne peut pas détruire une forêt pour construire un hôpital. Parce que pour nous, le premier recours où on se soigne, c'est la forêt. Donc nous, on refuse qu'on détruise une forêt pour construire un hôpital. Et tout de suite, le pouvoir a dit que l'espace, en fait, sur le site sur lequel l'hôpital doit se construire, est le choix du partenaire, le partenaire technique et financier. Ça pose un problème. Si le partenaire financier doit venir imposer un espace pour la construction d'un hôpital, même si c'est de l'aide, en fait, même si c'est pour permettre de mieux se soigner, ce n'est pas au partenaire de venir imposer ses règles, en fait. Et quand les gens se sont mobilisés, la société civile s'est mobilisée avec la population locale de Bobo-Dioulasso, finalement, il y a eu changement de site. C'est parce que cette pression a été forte qu'aujourd'hui, notre forêt classée de quoi a été préservée. Sinon, cette forêt allait être détruite pour construire un hôpital. Donc, Fatoumata, vous nous dites que la société civile arrive à faire entendre sa voix en matière de développement. Non. Évidemment. Formidable. Dites, on va, pour rythmer un petit peu notre webconférence, je voudrais qu'on prenne tout de suite des questions qui nous remontent, des internautes qui sont devant leurs écrans, qui vous écoutent. Alors, la première question, c'est est-ce que cette crise sanitaire a fait apparaître de nouvelles revendications dans certains mouvements des sociétés civiles? C'est une question de Marie, 41 ans, une question qui nous vient de Marseille. Alors, qui veut répondre sur le sujet? Est-ce que sur le Maghreb, vous avez vu Fatima, des choses émerger? Dites-nous. Ah ben, cette crise, elle a d'abord mis à nu les difficultés que vivent en matière de développement que vivent nos pays. Des difficultés en matière de santé, des difficultés en matière de pauvreté, enfin, La pauvreté, elle a été mise à nu parce que confinement, arrêt économique, n'oublions pas que dans nos pays, il y a un grand pourcentage de travailleurs qui sont dans l'informel, qui chaque jour sont obligés de sortir de chez eux pour aller chercher de quoi faire manger leurs enfants. Et donc, confinement, ça veut dire plus de travail. Et donc, du coup, nos pays, il n'y a pas de couverture sociale non plus. Et pas comme dans les pays européens. Et donc, du coup, nos pays se sont trouvés devant de véritables dilemmes. Chacun des pays s'est organisé comme il pouvait. Mais je crois que cette crise a tiré la sonnette d'alarme sur les modèles de développement qui sont aujourd'hui dans nos pays et sur les priorités qui sont choisies et également sur l'aide, où est-ce qu'on va l'orienter. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des priorités qui sont, y compris d'ailleurs pour l'Europe, la santé, l'éducation, l'emploi, ce sont des domaines aujourd'hui prioritaires. La souveraineté dans un certain nombre de domaines, elle est aujourd'hui plus que jamais mise sur la table. Mais également, au-delà de tout cela, ce que cette crise a montré, c'est que la société civile, elle a, comme les autres acteurs, elle a dû se réinventer.
se réinventer pour d'abord continuer à faire de l'observation, on va dire, de l'interpellation, mais également de monter au front, d'aller vers ceux qui avaient le plus de besoins. Je prends le cas du Maroc, toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, eh ben, il a fallu les mettre quelque part. Donc c'est la société civile, et heureusement, avec les pouvoirs publics, qui ont essayé d'organiser le logement de ces personnes. Donc oui, cette crise, elle a mis à nu, je crois, même si nos gouvernants ne voulaient pas les voir ou les voyaient, ils ne pouvaient pas faire, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des difficultés, hein, ça on le voit, même avec la meilleure volonté du monde, les courbes de développement, ils sont, avec les complexités qu'il y a aussi par rapport à la mondialisation, les décisions parfois, ils sont prises ailleurs, ils ne sont pas prises dans les pays. Donc, ouais, aujourd'hui, une décision prise au niveau mondial, elle a un impact au plus près des petits agriculteurs. Et ça, c'est une réalité à laquelle il faut aujourd'hui essayer de remédier. Donc oui, la société civile, comme les pays, cette crise nous a montré d'autres visages de nos fragilités, mais également, elle a montré qu'aujourd'hui, la société civile, on en a besoin plus que par ailleurs. Parce que sans la renforcer, cette société civile, sans la soutenir, sans la mettre, y compris, c'est-à-dire que cette société civile, on ne va pas dire que tout est blanc, tout est noir. Dans la société civile, il y a de l'opportunisme, il y a du militantisme, il y a de la dissidence, il y a des gens qui sont en allégeance. On ne va pas dire que tout le monde... Mais je crois que le besoin est aujourd'hui là pour soutenir cette société civile, parce qu'elle fait un véritable contre-pouvoir. Ouais. Je donne un cas au Maroc. Au Maroc, pendant cette période, le gouvernement a essayé de faire passer un texte sur les réseaux sociaux, mais qui était un texte qui dit... Oui, mais donc, c'est grâce à la société civile qui s'est mobilisée que le texte a été arrêté. Donc voilà, c'est des résultats comme ça dont on a besoin de nos pays. Et je crois que par rapport au Nord aussi, c'est ce qu'il faut encourager. C'est encourager plus de liberté, plus de démocratie, l'égalité. Ce sont des thèmes et des domaines de coopération dans lesquels il faudrait aller plus qu'autre chose. Parce que c'est ça qui va rester. C'est ça qui va rester dans les pays. Oui, merci pour cette précision. Je vous vois lever la main comme à l'école, Fatoumata Souratier. C'est la professeure qui redevient élève. Dites-nous, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à cette crise de COVID-19. Cette crise est venue mettre à nu en fait le système sanitaire de nos pays africains. Parce qu'on a vu, par exemple, au niveau du Burkina Faso, lorsque les premiers cas ont été relevés au niveau du pays, notre ministre de la Santé qui est sorti pour dire qu'il n'y avait que 15 lits disponibles pour accueillir les malades du COVID-19. Donc, vous voyez la de notre système sanitaire. Et elle parlait tout à l'heure de... Quand on parlait de confinement, il fallait avoir de quoi vivre pour pouvoir être confiné. Donc, du coup, les marchés qu'on avait fermés au niveau de notre pays, les commerçants ont fait juste une semaine de confinement. Après, ils ont dit non, il faut rouvrir les marchés. On a besoin de vendre pour vivre. On a besoin de oui. continuer nos activités pour pouvoir se nourrir. Donc, le fait que les gens vivent dans la précarité, c'est difficile. C'était difficile pour eux de rester confinés. Donc, du coup, c'était un risque de faire propager la maladie. Mais il faut rappeler aussi que la société civile burkinabé a mené plusieurs actions dans cette pandémie. Il n'y a pas eu de nouvelles émergences de société civile, mais il y a eu une reconversion des sociétés civiles existantes pour, en tout cas, trouver des solutions internes afin d'aider les populations à vivre cette pandémie de COVID-19. C'est-à-dire qu'on a franchi un pas et la société civile a été plus actrice qu'elle ne l'était précédemment. Dominique Darbon, pour le Burkina, pour le Maghreb, et donnez-nous un regard un petit peu plus large ou nuancé ce propos. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, sur les effets de la COVID-19 sur la structuration
des mobilisations politiques et sociales, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'exemples. Hein. En revanche, on a des exemples sur l'une des épidémies précédentes, le sida, et on a vu comment le traitement du sida a servi de base de mobilisation de groupes de société civile, et notamment des organisations de malades qui sont devenus partenaires des traitements, qui ont pris la parole, et dans certains pays, comme je pense notamment à l'Afrique du Sud, hein, des groupes de lutte contre le gouvernement se sont constitués pour pouvoir imposer le recours aux antirétroviraux, aux trithérapies et remettre en cause des politiques publiques complètement absurdes du gouvernement sud-africain. Donc là, on a vu effectivement des groupes se constituer. Et ce qui est intéressant, c'est que soit c'est dans des États dans lesquels on a déjà une structure sociale et politique à la fois solide et de longue durée, qui a une pratique de longue durée de la lutte en Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid évidemment, soit ce sont dans des États dans lesquels on avait des partenariats étroits entre des groupes d'intérêt au nord et au sud, et qui ont communiqué, qui ont se servi de renfort. Oui. Donc vous notez aussi, mais est-ce que vous avez un regard, est-ce que vous avez vu des choses qui bougeaient là sur le Covid et vous êtes dit, tiens, ça change quelque chose au sein des sociétés? Non, là je ne peux pas dire quoi que ce soit. Oui. C'est pas le même impact pour le moment, et heureusement, on n'est pas du tout les mêmes impacts que ça a été pour d'autres épidémies, et le type de maladie n'est pas la même, ses effets que le sida notamment. Bien sûr. Alors, si on reste sur la pandémie, on voit par exemple un pays comme le Togo, qui, durant cette pandémie, a mis en place, avec l'aide de la France, puisque l'AFD était un des gros financeurs du système, a mis en place une sorte de revenu minimum, justement pour ces informels dont on parlait tout à l'heure, ces gens qui sont dans l'économie informelle, qui n'avaient plus de travail pendant le temps fort de la pandémie. Et là, on leur a versé deux fois par mois, alors par téléphone, par un système de monnaie électronique, on leur a versé une sorte de revenu minimum. Donc, c'est passé par une agence gouvernementale. Donc, vous voyez, là, l'aide au développement est repassée sur un système différent, a été modifiée et a permis d'endiguer et de créer une sorte de minimum de ce qu'on appelle, ce qui correspond à notre RSA, notre revenu minimum de subsistance en France. Mais vous voyez, ça n'a pas été développé sans que le gouvernement soit impliqué, et on est passé sur un autre modèle grâce à la pandémie. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je vous vois encore lever la main, décidément vous êtes une bonne élève, Fatoumata. Dites-moi, ça vous évoque quelque chose, hein. Pour ces cas précis du Togo, où on versait un minimum à certaines populations démunies du Togo, je lisais sur les réseaux sociaux que c'était en fait puisque c'est passé par le gouvernement du Togo. Donc, du coup, il y avait ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est que c'était en fait, c'est comme si c'était les militants du parti au pouvoir à qui on devrait verser c'était comme si c'était un pacte que cette population signait en fait avec le régime qui est au pouvoir pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc, du coup, il y a un véritable souci. Oui, c'était pas directement de l'aide à la population, ça passait par le pouvoir public. Alors, il y a quand même 1,4 million de personnes qui ont été aidées, c'est le principe du revenu minimum. Donc, en tout cas, ma question par-delà très certainement le clientélisme politique, l'idée c'est plutôt, est-ce que cette épidémie n'est pas aussi le moment où peuvent se mettre en place, se structurer d'autres formes d'aide au développement, vous voyez, où on teste des choses, est-ce qu'une épidémie comme celle-là, c'est pas un
un accélérateur, en clair, comme le disait tout à l'heure Dominique Darbon pour le sida. Est-ce que là, on n'est pas dans quelque chose qui va peut-être permettre d'émerger, de faire émerger une autre forme de développement? Vous vouliez dire quelque chose, Fatima? Oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'exemple qu'elle vient de donner, Fatoumata, c'est dans, par exemple, si je prends le cas du Maroc par rapport au secteur informel, eh bien, il y a eu une solution de trouver qui est interne. C'est-à-dire le gouvernement, dès le mois de mars, il a mis en place un fonds spécial qui a été alimenté par tous les citoyens, par les entreprises. Et c'est ce fonds qui a permis quand même de soutenir 7 millions de personnes pendant la pandémie, avec le même système, c'est-à-dire grâce au téléphone, les gens, ils ont reçu entre 80 et 120 dirhams par mois. Il y en a qui ont, par rapport à ceux qui étaient affiliés à la CNSS, c'était 2000 dirhams par mois. Et je crois aussi que dans les pays, je crois que c'est pourquoi on parle de société civile et ce qu'elle peut faire. Plus il y a une vivacité, plus la société civile est active, est agissante, plus dans les pays, les gouvernants, ils prennent en considération ça. Donc, nous, au Maroc, les premières alertes, c'était, oui, d'accord, vous faites rentrer les gens chez eux, et comment ils vont faire pour vivre? Et donc, du coup, mais le gouvernement a été, il faut dire que ça a été géré la première fois. En tout cas, elle a été bien gérée. Le gouvernement donc, a mis en place ce fonds qui a permis, y compris donc, pour le secteur de santé, de mettre en place tout ce qu'il faut, parce que notre système de santé est également un système très faible. Donc là aussi, c'est dans cette... je crois que cette crise, elle va contribuer à faire changer les paradigmes et les visions dans les pays, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Franchement. Oui. Dites-moi, Dominique Darbon, je ne vous redemande pas, suite à cette épidémie de Covid, mais est-ce que tout ça, pour que ça bouge beaucoup plus et pour revenir à nos sociétés civiles, est-ce que, en fait, le problème, entre guillemets, le fait que ce soit compliqué que les citoyens et que les sociétés civiles aient une voix à porter, est-ce que tout ça n'est pas lié au fait que les classes moyennes n'arrivent pas à émerger aujourd'hui en Afrique? On n'a pas, ça reste un petit peu un mythe. Est-ce qu'on peut lier les deux? Qu'en pensez-vous? En partie, oui, même si on accorde beaucoup trop d'importance à ce que peuvent faire les classes moyennes. En fait, c'est tout le problème des formations sociales qui se posent dans un grand nombre de pays africains. Alors avec des écarts importants entre les types de pays, évidemment. Hein. L'Afrique du Nord n'est pas dans la même situation que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et l'Afrique du Sud est aussi dans une autre situation, ainsi que le Ghana, le Kenya, le Sénégal, le Burkina aussi, parce qu'ils ont des expériences à nouveau de longue durée dans lesquelles se structurent des organisations sociales et des intérêts. Et que ces intérêts, en plus, ils apprennent alors, non pas tellement à faire de la transition, mais plutôt des transactions, c'est-à-dire à échanger des ressources entre eux, et à dire, moi, on n'est pas d'accord sur ça, mais on te soutient sur ça, nous, on te soutient sur ça, et petit à petit, on devient un élément structurant de la vie politique et un contre-pouvoir. C'est surtout ça qui manque. Les classes moyennes, si elles devaient émerger en Afrique, alors déjà, on a fait pas mal de travaux sur ça, et malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, mais dans la plupart des États africains, il n'y a pas de phénomène de classe moyenne, il y a une petite catégorie qui s'enrichit, mais qui n'a pas du tout les caractéristiques d'une catégorie, d'une classe moyenne. Et puis, il ne faut pas oublier non plus autre chose, c'est que ces classes moyennes avec lesquelles on fait une espèce de lien avec la démocratisation et la démocratie, parfois produisent les pires des régimes politiques. Et il n'y a qu'à se rappeler notre histoire européenne, se rappeler qui a voté et qui a fait pas parvenir au pouvoir le NSDAP en Allemagne nazie. Oui, donc c'est pas non plus la solution. Mais on va reprendre une autre question pour rester sur l'actualité, mais passer sur une actualité beaucoup plus électorale, puisque Rose, 32 ans, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, nous demande quel est le poids aujourd'hui des sociétés civiles sur les élections en cours en Afrique de l'Ouest. On sait que toute cette fin d'année, et d'ailleurs on le voit là avec la Guinée, on voit
évidemment avec la Côte d'Ivoire, mais le Ghana, mais le Burkina, chez vous, Fatoumata. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Fatoumata, à vous l'honneur, puisque votre pays est directement concerné? Par rapport aux élections, je pense que la société civile a son mot à dire, d'ailleurs même doit dire quelque chose pour les élections. Et quand on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont chaque fois soumis à des tentatives de coup d'État, qui sont soumis chaque fois à des dictatures et tout, tant que la société civile n'est pas forte, il est difficile d'arriver à un changement. Voilà, donc quand je prends le cas du Burkina Faso en 2014, c'est parce que la société civile burkinabée était forte avec toutes les composantes du pays qu'on a pu en tout cas mettre fin au pouvoir dictatorial de Blaise Compaoré. Donc, mais cette société civile, si elle n'est pas forte, je suis désolée de le dire, mais quand on prend en Côte d'Ivoire, il n'y a pas en tout cas une forte société civile qui se dessine à l'horizon, c'est plutôt les partis politiques de l'opposition. Donc quand c'est comme ça, c'est comme si c'était une guerre de pouvoir entre le parti au pouvoir et les partis de l'opposition. La lutte devient très compliquée, mais lorsque les sociétés civiles sont fortes et s'unissent, on arrive à déboulonner des pouvoirs et apaiser. Et si je prends l'exemple du Burkina Faso, le ballet citoyen, après la chute de Blaise Compaoré, a initié une campagne de sensibilisation dénommée « Après ta révolte, on vote ». Après ta révolte, on vote parce qu'on voulait inviter les populations, justement les populations, à s'intéresser aux élections. On a fait tomber un dictateur. Il y a de nouveaux candidats qui vont se présenter pour l'élection présidentielle de 2015. Alors, les jeunes qui étaient en marge, qui se disaient « Si je prends, je vote ou je ne vote pas, c'est Blaise Compaoré qui va venir au pouvoir. Il n'est plus là. Donc, il faut s'engager, il faut prendre ta carte d'électeur et il faut aller t'exprimer au niveau des urnes. Et après cette campagne, on a initié une autre campagne dénommée « Je vote et je reste ». Pourquoi je vote et je reste? Parce qu'on a vu avec le pouvoir Blaise Compaoré qu'il y a eu des bourrages de d'urnes pendant la proclamation des résultats et tout. Donc, on a invité la population non seulement à sortir voter, mais de rester pour surveiller le scrutin pour qu'à la fin, il soit accepté par tous. Parce que tant que la société civile ne joue pas son rôle, après les élections, l'opposition, les deux challengers, s'il y a deux personnes en fait, qui viennent, l'autre dit c'est moi qui ai gagné, l'autre dit c'est moi, ça amène des crises post-électorales. Donc, il faut que la société civile s'intéresse pour éviter ces crises post-électorales. Et de façon plus large sur l'Afrique de l'Ouest, Dominique Darbon, vous souhaitez ajouter quelque chose pour notre auditrice d'Abidjan? Oui, juste un point pour rebondir sur ce que vient de dire Fatoumata. Tout va dépendre des pays dans lesquels on se trouve. Dans certains pays, le Sénégal, le Ghana, j'étais en train de faire une petite liste, le Sénégal, le Ghana notamment, là on a des sociétés civiles, des groupes sociaux bien structurés avec une pratique de la lutte politique, de la transaction, de la négociation avec les partis politiques d'opposition qui ont fait tomber à plusieurs reprises des tentatives des détenteurs du pouvoir de rester au pouvoir. Donc on a un savoir-faire, il manque maintenant une structuration encore supérieure, mais là on a vraiment de la solidité. Inversement, ce qui est en train de se passer en Guinée est à la fois la démonstration de ce que peut être... On a bien des gens qui se mobilisent, mais on voit bien qu'il n'y a aucune force sociale, il y a des groupes d'opposition qui sont isolés, et on n'a pas véritablement de contre-pouvoirs qui peuvent jouer un rôle de structuration et de transaction. C'est cet élément qui joue à la fois pour être un contre-pouvoir par rapport à l'État et au gouvernement qui veulent aller au-delà des règles de droit, et en même temps qu'il soit un soutien à ce gouvernement. C'est les deux à la fois. Et ça, c'est très compliqué à constituer, et c'est ça une société civile malade. Oui. Si je peux rajouter juste un point pour terminer, moi j'ai un grand espoir dans la jeunesse de la population du continent africain. On a une population qui est à un âge médian, si je me rappelle bien, autour de 24-25 ans, qui est bien mieux formée que les générations précédentes, qui est le plus souvent urbanisé,
qui a une ouverture sur l'international et sur ce qui se passe ailleurs, les types de régimes politiques, en connexion avec des partenaires qui les soutiennent, etc., et qui sont pour moi les germes qui commencent à prendre, hein, on les voit avec des associations un peu partout qui se constituent, d'une société civile qui se constituerait. Oui, vous voyez la même chose, Fatima ? Je dirais qu'il y a quand même il y a des expériences dans les pays par rapport aux élections. Je reviens aux questions de gestion, leur légitimité, comment ils se déroulent. Il y a la pratique de l'observation des élections qui est un moyen qui est intéressant et important et qui a donné ses fruits. Et il y a au-delà, parce que les élections, elles passent, après il y a des institutions qui sont mises en place. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que par exemple, dans deux pays, le Maroc et la Tunisie, il y a la société civile s'est organisée pour faire une sorte de monitoring sur le Parlement. Et donc, elle est présente, elle collecte l'information, elle la diffuse, elle facilite le contact entre le citoyen et... C'est-à-dire que les élections, c'est vrai que c'est une phase très, très importante. Mais après, c'est tout le processus après les élections qui est important. Et là, on a besoin d'outils comme ces pratiques de suivi de la contribution des parlementaires, du gouvernement, des instances de gouvernance dans un pays. Et c'est quelque chose qui permet d'accompagner, mais en même temps, ils sont présents. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait des moyens et des capacités. Et aujourd'hui, on sait que les civils, elles manquent de moyens, elles manquent de capacités. Et là aussi, c'est une priorité pour l'avenir et pour la coopération internationale. Moi, je dirais par rapport à la coopération internationale, on a relevé quelques déficiences. Je dis encore, ça ne réduit pas l'impact qu'elle joue ni le rôle qu'elle joue. C'est que parfois, la question du temps, le développement, c'est une question de temps. On ne peut pas demander faire des projets en place de un an et demander qu'il y ait des résultats. Nous avons vu des projets qui sont vraiment des projets structurants par rapport à des quartiers, par exemple, en Tunisie, mais qui ont été financés par la coopération française, mais pour un an. Alors, l'association arrive dans les lieux, elle se rend compte qu'il faudrait qu'elle mette en place un processus de travail avec la population pour l'appropriation. Et donc, du coup, ils ont abandonné. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est parfois, on sent qu'il y a une sorte de placasse, c'est-à-dire on prend un projet qu'on a ici, on va le mettre cloné dans l'autre pays et ça ne correspond pas aux réalités. Il y a des associations qui sont fabriquées de toutes pièces. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais une association, si elle n'est pas porteuse, on parle d'associations qui sont agissantes, si elle n'est pas porteuse de principes, de valeurs, si elle n'a pas un projet, si elle n'a pas un référentiel, comment voulez-vous qu'elle va rester ballottée entre ce qui se fait. Et donc, sa présence, donc sa non-présence, n'apporte absolument rien au pays. Et il y a aussi tout ce qui est aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une montée en puissance quand même du conservatisme dans le pays. Et quand on a constaté, mais c'est à creuser, c'est qu'il y a un soutien quand même de structures ou d'organisations qui ont un référentiel religieux par rapport à d'autres associations qui interviennent dans le domaine du droit. Dans des cas précis, les associations de droits humains, les associations de femmes, ils ont moins de moyens aujourd'hui que les associations qui ont un référentiel religieux. Ça, c'est des questions à se poser. Je ne dis pas que c'est des questions qu'il faut se poser par rapport à ce qu'on fait et comment on le fait dans les pays et quels critères et comment on choisit. Oui, ce qui est très compliqué, ce qui est vrai peut-être plus pour le Maghreb que pour d'autres zones. Si on revient sur cette notion, vous avez prononcé plusieurs fois coopération. On est dans quelque chose d'un petit peu différent de l'aide au développement. Et une de nos auditrices nous envoie cette question depuis Niamey au Niger. Comment les citoyens africains perçoivent-ils cette fois donc les actions de coopération en Afrique venant de pays étrangers? Fatoumata, sur ce point, est-ce que vous avez des choses différentes à dire de ce qu'on s'est dit jusque-là? Je pense que on l'a répété depuis le début de l'émission. Et les populations souvent n'ont pas le choix. Je ne vais pas dire comment ils perçoivent, puisque elles sont dans un besoin. Il y a une population qui est là, qui vient pour les
ça passe par le pouvoir public pour venir les aider. Tant que ces aides ne sont pas détournées et que ces aides vont directement à ces populations locales qui les aident, comme je le disais, à se dépasser de l'aide, tant mieux. Mais je ne sais pas comment elles perçoivent l'aide au développement. Dominique Darbon, sur les actions de coopération, est-ce que vous avez envie de dire des choses différentes de ce qu'on s'est dit jusque-là sur l'aide au développement? Moi, je pense que sur les actions de coopération, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et qui ont montré leurs limites, mais aussi leurs bénéfices. À nouveau, je suis très critique de ces actions et de l'aide internationale, mais en même temps, il y en a une partie qui a des effets et c'est incontestable. Donc, je pense que, justement parce qu'on est capable aujourd'hui de faire le bilan de ces aides internationales, des formes de coopération, et on est aussi capable de voir les transformations rapides des sociétés africaines, c'est peut-être le moment de repenser des formes alternatives de coopération. La grande difficulté, c'est que penser ces formes alternatives, c'est très compliqué. Parce qu'on est en permanence pris entre la volonté de pouvoir orienter autrement ces flux de financement, de respecter la souveraineté des États, d'intervenir pour soutenir certains types d'actions, mais dans ce cas-là, c'est d'une ingérence politique qui peut être prise par les autres actions comme étant une action antidémocratique. Quel droit voilà, on est un peu, je pense, à un tournant aujourd'hui. L'aide publique diminue, on l'a déjà dit. Les flux extérieurs privés augmentent, ils sont difficilement contrôlables. Si on veut avoir une action publique sur le développement, il faut absolument être capable d'inventer des alternatives. Il y a des think tanks qui pensent à ça, mais c'est compliqué aujourd'hui. Oui, il y a quelques modèles, effectivement. Notre Nobel, Esther Duflo, a beaucoup travaillé sur le sujet. On n'épuisera pas, nous, le sujet aujourd'hui. On n'y arrivera pas. J'aimerais que chacun de vous trois me donne, en guise de conclusion, un mot, deux mots, pas plus long, pour ce que devrait être cette aide au développement pour vous dans les temps à venir, de termes forts pour nous aider à garder un souvenir de ce moment partagé entre nous. À vous de commencer, je vous vois réfléchir, Fatima, Chaïd, je suis sûre que vous avez trouvé le mot ou les deux mots que vous avez envie de dire. Dites-moi. Je dirais éthique. Éthique. Et équité. Éthique, oui. Et équité et solidarité. Éthique, trois mots. Nous nous arrêtons là. Trois mots pour vous. Éthique, équité, solidarité. Fatoumata, qu'est-ce que vous diriez, vous, en la matière? Quels sont ces mots forts que vous avez envie de prononcer à l'issue de ce débat? Moi, je parlerais également d'équité, de solidarité. Véritable, en fait, entre les pays africains. Oui, merci. Dominique Darbon, que diriez-vous, vous, même si pour les politologues, c'est encore plus dur de résumer en deux mots une pensée et autant d'années de réflexion sur le sujet, dites-nous. C'est surtout pour un universitaire que c'est dur. Innovation et partagée. Innovation est partagée, donc vous ouvrez sur d'autres modèles. Écoutez, tous les trois, vraiment, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir passé cette heure et quart ensemble, d'avoir accepté de réfléchir avec nous à voix haute sur le poids, donc le poids des sociétés civiles en termes de développement. Merci à vous, Fatoumata Souratier. Merci à vous, Fatima Chaïd. Merci à vous, Dominique Darbon. Mesdames, messieurs, maintenant, cette journée de conférence en ligne se termine. Elle était organisée par la région Nouvelle-Aquitaine, la plateforme Média et Démocratie, en partenariat avec l'Institut des Afriques, FED Aquitaine.
africaine et le LAM, le laboratoire des Afriques dans le monde. Ces conférences ont été animées par trois journalistes, des journalistes de trois médias, Sud-Ouest, RFI et Le Monde Afrique. Je voudrais qu'on remercie aussi à la régie notre talentueux Charlie Bento, tout le travail opéré par ma collègue Hélène Guidotto qui s'est beaucoup aussi donné pour organiser tout ça, et Olivier Piau, donc Médias et Démocratie. Ces trois conférences, vous pourrez les retrouver en replay sur Le Monde Afrique, que je vous invite à lire pour suivre tous ces débats et les prolonger. À vous trois, merci beaucoup, au revoir. Chers internautes, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.